Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, l'Église fait mémoire de Saint François d'Assise. Saint François, l'homme de Dieu, il a tout quitté. Il a quitté sa maison. Il a abandonné son héritage. Il se fait pauvre et sans ressources. Mais le Seigneur l'accueille, le Seigneur l'a accueilli. Préparons-nous, mes frères et mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ce qui était perdu. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à Saint François d'Assise d'être configuré au Christ pauvre et humble. Accorde-nous la force d'emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et pour vivre unis à toi dans une joyeuse charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job, chapitre 38, versets 1 et 12 à 21. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit:
As-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore, pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins et en secoue les méchants? La terre alors prend forme comme argile sous le seau et se déploie-t-elle un vêtement. Aux méchants est enlevée la lumière et le bois qui se levait est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? As-tu circulé au fond de l'abîme? Les portes de la mort se sont-elles montrées à toi? Les as-tu vues, les portes de l'ombre de mort? As-tu réfléchi à l'immensité de la terre? Raconte si tu sais tout cela. Quel chemin mène à la demeure de la lumière et l'obscurité qu'elle est sous lieu, pour que tu conduises chacune à son domaine et discernes les sentiers de sa maison. Si tu le sais, alors tu étais né, et le nombre de tes jours est bien grand. Job s'adressa au Seigneur et dit, « Moi, je suis si peu de choses, que pourrais-je te répliquer? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus deux fois, je n'ajouterai plus rien. » Parole du Seigneur. Prions le psaume 58 avant chaque soif à ton nom. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu m'escrutes, Seigneur, tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Quand je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont devant toi le prodige.
Veuillez-vous lever pour l'acclamation à l'évangile. Avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: malheureuse es-tu, Chorazin, malheureuse es-tu, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Rejette celui qui m'a envoyé. Dans mon seul évangile selon saint Luc que nous écoutons matin, nous voyons que Jésus a fait une mise en garde avec habitant ville Chorazin et habitant ville Bethsaïde. Peut-être par rapport avec Dieu de cœur, malgré une merveille bon Dieu, malgré un miracle, mais que y aurait été dû pas quoi
Yo pas croyant dans l'amour bon Dieu, yo pas croyant dans petit bon Dieu, yo pas croyant dans Jésus. Et Jésus pral di habitant Kouazimio ak habitant Betsaïdjo que nous fait histoire, nous connaissons ça qui arrivé tir accident. Eh bien, c'est habitant tir accident te wè miracle que nous même nous wè là yo, yo t'a converti. Yo t'a repenti. Yo t'a fait pénitence avec sac, avec cendre. Mais nous même que nous dû malgré toute merveille bon Dieu réalisé dans la vie nous devant Dieu nous mais nous pas croire dans petite monde dans petite bon Dieu ya. Jésus passé disciple sa yo disciple yo mi consigne sa yo après que fin voyé en mission il dit oui nous pas en mission nous pral parler parole bon Dieu nous pral prêcher l'évangile mais il y a monde qui a fait bon accueil avec parole là mais pas inquiéter nous il y a monde tout qui pas accueilli parole là. Mais ce qui est important, c'est que nous ne gagnons pas pour nous imposer la parole de bon Dieu à quiconque. Parce que bon Dieu, il fait usage de liberté, non. Dieu propose sa parole, il propose son évangile, mais il n'impose jamais. Parce que nous sommes libres, il nous a créés libres. Maintenant, c'est à nous de choisir qui route que nous avons fait, qui chemin que nous avons emprunté pour que nous soyons capables de vivre bon Dieu. Jésus dit, disciples, quel que soit le monde qui écoute nous, eh bien c'est moi qui écoute. Mais quel que soit le monde qui rejette nous, tout, qui n'a pas accueilli la parole là, eh bien c'est moi qui rejette. Mais pas oublier, quel que soit le monde qui rejette, il rejette si là qui voyait maintenant. Donc il rejette papa. Pour dire, frère, nous-mêmes comme missionnaires, les que nous allons pour nous proclamer bonne nouvelle là, by frère, nous, by soeur, nous, il y a un monde qui a accueilli la parole là, c'est Jésus. Il a accueilli. Mais il y a un monde qui n'a pas accueilli nous, qui n'a pas accueilli la parole là, qui rejette nous. C'est Jésus qui rejette. Ça veut dire travail là, ce n'est pas travail par nous. Mission, ce n'est pas mission par nous. Mission, c'est mission Jésus. Donc il y a un monde qui a accueilli nous, il a accueilli Jésus. Il y a un monde qui rejette nous, il a rejette Jésus. Mais pas oublier, nous avons prêché un Jésus mort, un Jésus crucifié, un serviteur pauvre. Et c'est ça. Que mais c'est fonction d'assister de comprendre lui-même que nous avons fait mémoire je ne je dis hein n'a pas rappelé nous que c'est fonction d'assister d'être sorti dans une famille noble d'ailleurs maman était partie de la noblesse papa c'était un gros commerçant dans ville assise donc François qui fait une famille ça il fait riche mais quelqu'un en tournant décisif dans la vie François. C'est François d'Assise que nous avons dit tout le temps. François était riche, mais il a quitté toute richesse. Il était abandonné tout ça. Il était fait pauvre pour être capable de servir le bon Dieu. Parce que dans les mêmes bon Dieu, son bon Dieu qui est pauvre, bon Dieu, son bon Dieu qui remet, c'est là qui est pauvre. Et bien, lui-même, il dit que peut-être richesse est capable d'empêcher de servir bon Dieu. J'ai parole, bon Dieu a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Et bien, il a abandonné toute richesse, c'était gagné net. Nous vivons dans un monde, je ne dis pas que tout le monde a couru des richesses. Tout le monde a besoin de gagner. Tout le monde a travaillé pour être capable de gagner, pour être capable d'emmagasiner, pour être capable d'économiser, pour être capable de capitaliser. Et bien, Saint François d'Assise lui-même, il était riche, il était quitté richesse. C'est l'inverse dans le défait. Il a quitté toute richesse, il a servi bon Dieu dans la pauvreté. Il était gagné un paquet de pensées qu'il a communiqué à frère, à prochain. Il a dit, rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous avez reçu, uniquement ce que vous avez donné. Lorsque vous quittez ça, vous n'allez avec rien. C'est ça, c'est pour ça que l'assise apprend nous. Nous n'allez avec aucune richesse. Tout ça que nous avons gagné sous terre, nous avons quitté tout sous terre, avec rien nous n'allez pas. Donc, suspendre une bataille pour richesse, pour bien terre, pour bien matériel. C'est son bail, c'est avec vous n'allez. J'ai souffert avec frère ou avec soeur, façon généreuse envers eux, leur aider un frère ou leur aider une soeur. Et mais c'est avec ça, yo, au bralé. C'est bonnes œuvres, yo, c'est bonnes actions, yo, c'est bien, yo. C'est avec eux seulement, bralé, leur mourir. Mais quelle que soit richesse, nous sommes capables de gagner, nous avons quitté richesse là, sous terre. C'est pour ça d'assiste, d'après elle dit tout. Un homme vaut réellement ce qu'il vaut aux yeux de Dieu. Et pourtant, nous sommes capables de gagner. Ce n'est pas important ce que l'homme pareil ou barou. Non, ce n'est pas ça qui est important. Important, ce que l'homme capable de gagner,
c'est importance bon Dieu qu'on met là barou. C'est importance ou gagner dans Dieu bon Dieu, c'est ça qui compte. Parce que pile au capable gagner pile valeur dans Dieu les hommes, mais pas qu'on valeur dans chez bon Dieu. Mais ça qui est important pour un chrétien, c'est chercher gagner valeur, chercher joindre valeur dans Dieu bon Dieu et non pas dans Dieu les hommes. C'est François d'Assise, t'as invité nous également, invité monde et génération contemporain lieu, t'as invité nous même tout, jeudi, pour que nous capables de faire confiance à l'Esprit Saint si nous voulons faire bien tout bon. Laissez la vie nous sous emprise de l'Esprit Saint. Et après, elle dit, sans le secours de l'Esprit Saint, nul, pas un seul homme n'est capable de faire le bien. Donc si au monde voulait faire bien, si au monde a travaillé pour le faire bien, eh bien, quittez-vous dirigé par l'Esprit Saint, l'Esprit bon Dieu. Quittez-vous l'homme, le corps, l'esprit, docile à l'Esprit Saint. Mais si vous voulez faire toute bagaille pour ces gloires qui éclatent, vous ne pouvez pas faire rien de bon, rien de bien. Mais lorsque vous allez par l'emprise de l'Esprit Saint, lorsque c'est l'Esprit qui dirige, vous êtes capable de faire un pile bien dans la vie. Il dit, sans le secours de l'Esprit Saint, nul, pas un seul homme n'est capable de faire le bien. On demande bon Dieu la grâce, même Jean à Saint François d'Assise, qui était vivre sous l'emprise de l'Esprit Saint, sous la mouvance de l'Esprit Saint. Lui-même qui était épousé, la dame pauvreté, donc il était riche, mais il était fait le pauvre, il était capable de servir bon Dieu. Puis bien, parce qu'il était quoi? Il était connu que pas qu'il y a rien qui est plus important dans la ville que servir bon Dieu. Il y a un bon Dieu qui est pauvre. Il y a demandé de mettre là la grâce pour que nous parcourions derrière bien matériel, bien sous terre ça, mais pour nous courir plutôt derrière bien spirituel. Plus ou pauvre matériellement, mais ou riche spirituellement, c'est plus ou pipré, bon Dieu, c'est plus ou travail pour le royaume, bon Dieu, établi sous terre. C'est plus ou travail pour non pas ou sauver et non frère ou action ou sauver. Donc, on m'a demandé la grâce pour que nous soyons capables de suivre Saint François d'Assise, pour que nous soyons capables de mettre que nous dans la mêle, mettre l'esprit nous dans le travail, mettre connaissance, nos savoir-faire, nos services, frères, action, nous. Comme ça, la va bénir nous, la va bénir l'entourage, nous, la va bénir tout le monde que nous côtoyons, tout le monde qui est bon côté nous, parce que bénédiction, ça a bon Dieu, nous, la propager vers l'autre jour. Amen. Sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde.
En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose-nous à célébrer dignement le mystère de la croix auquel Saint François s'attacha avec tant d'ardeur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut et le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Au sein de la terre, tu es vraiment saint, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, au sein de la terre. Oh, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, partout dans l'univers. Chante ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, au sein de la terre. Soit celui qui vient au nom du Seigneur, au toi qui es saint. Nous chantons ta grandeur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, au sein de la terre. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, au sein de la terre. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Max Leroy, les auxiliaires et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints, Saint François d'Assise, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, tu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, désormais confiance à cette belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Yeah.
agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Seigneur,
attendons la vie. Accorde-nous, Seigneur, d'imiter la charité de Saint François et son ardeur apostolique. Pour que nous goûtions les fruits de ton amour et les fassions abonder en vue du salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame d'Alta Grâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier.
place pour l'église là. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. La prière de tant de petits pour nous là, bonne dame, bonne dit, bonne fête. À toutes les amis de yo, qui a célébré un nouveau printemps dans la vie. Yo. Je dis à cet anniversaire de fondation du groupe Les Jeunes de Marie. Donc, à chaque membre qui nous groupe ça, nous disons bonne fête. Anniversaire de naissance. Nous disons bonne fête à Catherine Barbara Jean, Franz Pierre-Louis. Bonne fête à Gilbert Franklin, Guy Alain Dinsky Casamajor, Hans-Frédéric Gervais, Eberson Fefe, Huguette Dampère, membre du groupe Les Amis de Notre-Dame d'Altagrasse. Bonne fête à Joanna Taz, Perpétue Henri. Bonne fête à Josette Toussaint, Kennison Fefe, Le Gros Ginette. Bonne fête à Marie-Ange Moïse. Bonne fête à Max Gaston, Michel Malia d'Orsainville. Bonne fête à Madame Bianca de Simil Jean-Baptiste. Bonne fête à Perpétuelle Immaculée Grâce Toussaint, Philippe Félix, Ricardo Levalgueur, Augustin, Roberta Elissin, Chilov Nelson, Violette Pierre, Wadnayel Lui. Bonne fête à Jennifer Aura. Bonne fête à Jean-Baptiste François Pierre Alcénor, Isna Pierre, Bianca Jean-Baptiste. Bonne fête au révérend Père Yves Anis. Bonne fête également à Nadège Cyrillus. Nadège, c'est membre chorale CNDA, c'est membre équipe communication dans Pawasla. Donc, son jeune qui est assez actif. Donc, qu'a fêté jeudi, hein, nous dit bonne fête. Bonne fête à Luigi Lezo. Bonne fête à Will Vensky Désir. On a chanté pour nous dire bonne fête pendant qu'il n'y a pas avancé pour lui recevoir salutations et bénédictions devant l'hôtel. Là. Entre-temps, on a chanté pour nous dire toute bonne fête. Maintenant pour recevoir la bénédiction finale. Avant nos bails bénédictions, on a rappelé nous, c'est chaque jour que les Jéparouasta ben nous y ont pensé sur Rosaire, puisque nous avons Rosaire qui prend inviter nous à méditer pendant toute journée. Pensez-nous bien aujourd'hui, on dit le Rosaire donne.
le rythme de la vie humaine pour l'harmoniser avec le rythme de la vie divine. Une citation du pape Saint Jean-Paul II. Le rosaire donne le rythme de la vie humaine pour l'harmoniser avec le rythme de la vie divine. Saint Jean-Paul II. Pas oublié, pendant tout le mois, les gens invitent nous également pour que nous soyons capables de mettre un petit kichoy quelque part. Et puis, peut-être dans fin mois, nous sommes capables, dans tout ça que nous semblons, de bailler dans le bureau pour que nous soyons capables de faire une bonne action pendant le mois, aider nous et éponger la tête nous et avancer avec ça que nous devons, nous pouvons finir de payer. Donc, pendant tout le mois, octobre, là, mettez un petit kichoy quelque part pour que nous soyons capables de bailler les mois presque finis comme une bonne action, comme une bonne œuvre pour aider dans cette paroisse-là. Disposez-vous maintenant pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure toujours. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci, mon Père, à vous de même. Merci. Bonne fête de Saint-François d'Assise. Et tout le monde qui a un nom, François Nanoyo, dit également bonne fête. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De Jésus.